Une nouvelle arme exotique a été ajoutée dans le jeu, juste ici, à la montagne, juste à côté de Rital Row, où se trouve un NPC, et il s'appelle Cole. Cole, qu'est-ce qu'il nous propose? Il nous propose des pierres. Merci Pierre, j'aime bien les pierres. Il s'appelle pas Pierre, mais bref. Il nous vend aussi un flingue anti-gravité exotique, et c'est une toute nouvelle arme exotique, les amis. Et notre but, aujourd'hui, va tout simplement être de faire un top 1 rien qu'avec cette arme, les amis. Est-ce qu'on va réussir? Je pense que oui, ça va être la première fois que je teste cette arme. Elle a l'air d'être plutôt cheatée de ce que j'ai entendu dire. J'espère que ça va bien se passer. Vu quoi, j'ai pensé que c'était un ennemi. C'est parti pour faire un maximum de kills rien qu'avec cette arme exotique. Le problème quand t'achètes une arme exotique, c'est qu'il ne te donne pas de munitions. Alors c'est assez horrible. Bon, heureusement, j'ai acheté Cole des constructions. J'ai déjà 500 constructions. Il faut avoir beaucoup d'or. Hein. Si tu souhaites, attends, il y a un mec ici dans la maison. Il est en dessous. Oh! Donc cette arme exotique one shot les joueurs. C'est bon à savoir les amis. Oh là 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 là. Alors toi mon ami, je t'estorque mais directement. Mais attends, mais vous avez vu ce que j'ai vu? Vous avez vu ce que j'ai vu ou pas? Je l'ai one shot. J'ai mis une balle dans la tête, ça a complètement tout simplement mis 70 de dégâts dans la tête. Mais attends, mais c'est une dinguerie phénoménale. Mon premier kill avec cette arme, je le one shot. Les autres, ses collègues ont l'air d'être là-bas au fond de Rital Row. Bien sûr, on va essayer d'aller les traquer et on va les tuer parce que moi je suis sans pitié aujourd'hui, je veux faire le top avec un maximum de kills. Vous connaissez à me connaître. Alors la particularité de cette arme, il me semble qu'on l'utilise. Ah ouais, voilà, on a une anti-gravité. Mais attends, c'est une... C'est vraiment une arme qui one-shot. Bon, lui il a plus de vie donc on peut pas le one-shotter. Oh, ok, ça donne une anti-gravité. Ça nous permet d'avoir des sauts géants quand on saute. Mais gros, c'est trop bien. Attends, c'est un peu... C'est un peu de la triche, ça. Je peux one-shotter les gens, mais c'est pas possible. Bon, par contre, je vais pas récupérer les armes. Ça aurait été bien de pouvoir récupérer les armes, mais je ne peux pas. Sinon, c'est de la triche, les amis. On va essayer de faire que des kills avec... Attends, y a un mec juste là. Oh là là là, mais c'est trop bien. Parce que ça nous permet de faire des sauts immenses. Et... Hop, on te finit. Mais attendez, c'est une dinguerie. Par contre, ça, je te jette. Je ne veux pas récupérer d'autres armes. Eh ben, les amis... Nos premiers kills avec cette arme exotique, cette nouvelle arme exotique. Ça a l'air d'être une dinguerie, folichonnage, folichon. Et je parle pas de nichon, les amis. Waouh! Waouh, waouh, waouh. Et en plus de ça, c'est qu'elle ne coûte. Oh, un truc à interagir ici. Oh, d'accord. C'est quoi ça? Je ne sais pas. En plus de ça, les amis, ça ne coûte que 500 d'or. C'est vraiment pas cher pour une arme exotique. Et ça fait vraiment plaisir parce que. Oh là 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 là. Oh là là. Moi je dis ça, c'est une dinguerie. D'office, on va faire le top 1. Première game, les amis. D'office, on fait le top 1. Si on fait pas le top 1 en direct de cette première game, c'est que je ne mérite pas de m'appeler Jean-Fils. Je ne mérite pas de m'appeler Jean-Fils si on ne fait pas top 1 dans cette game. Tu m'as compris? J'ai l'impression que c'est. Je one-shot tout le monde avec cette arme. Ramène ta tête. Ah ouais, ça fait vraiment 70 de dégâts dans la tête. Hein. Oh, mais la dinguerie phénoménale que ça. Oh là là, je pense que ça va être la nouvelle arme préférée de beaucoup de personnes. Vous savez maintenant comment trouver Cole, celui qui vend l'arme, le NPC. C'est simplement ici, au-dessus de Rital Row. Et s'il n'apparaît pas là, c'est qu'il est juste ici dans la cabane. Voilà, j'ai regardé où apparaissait le NPC Cole. C'est ça le problème, c'est qu'il apparaît à deux positions. Donc t'as une chance sur deux de savoir où il est en fait. Mais bref, en tout cas, j'espère bien sûr que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie en visionnant cette vidéo. Vous savez bien que c'est tout le but, les amis. Si vous voulez me faire plaisir et me soutenir, vous pouvez mettre le petit pouce bleu en dessous de cette vidéo. Ça fait vraiment énormément plaisir. Est-ce que c'est possible d'atteindre les 200 pouces bleus? Ça serait juste incroyable. Merci beaucoup d'avance à tous ceux qui le feront. Et gros big up aussi à tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne YouTube, tous ceux qui sont abonnés et qui suivent mes vidéos quotidiennement. Ça fait vraiment chaud au cœur, les amis. Il faut savoir que j'arrive bientôt aux 2 millions d'abonnés. 2021, c'est l'année où j'aurai les 2 millions d'abonnés. Donc si tu veux faire partie de cette aventure, il te suffit juste d'appuyer sur le bouton rouge s'abonner. Allez, c'est parti. On va partir de Rital Row parce que moi, ce que j'ai envie de faire, c'est un maximum de kills. Du coup, c'est parti, les idées. D'office, on va trouver des gens là-bas. Et en parlant de gens... Oh, juste là. Est-ce qu'il y a moins d'écraser? Oh, par contre, il y a un fusil à pompe. Wow! Ok, je vais faire gaffe avec lui parce qu'il a un nouveau fusil à pompe. Il a l'air d'être chaud. Ah oui, il a l'air d'être chaud. Oh, en plus, ils sont plusieurs. Qu'est-ce que... Dans quelle connerie je me suis mis là? Oh non, non, par contre, c'est pas le moment de mourir en fait, Jean-Fils. Hop là. Oh, 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 oh. Ok, il est blanc lui, la princesse. Pour moi que je fasse attention parce que c'est ça le problème. J'ai lancé la partie avec des abonnés, sauf que je ne suis pas avec mes abonnés. Donc c'est un problème de qualité fantastique. Première victime, ça fait plaisir. Ok, la dernière personne est juste là. Hop, on fait des sauts de géant. Ah, faut vraiment... Oui. Ok, j'ai plus de vie.
On va quand même faire gaffe. Oh mais attends, ils sont plusieurs en fait hein. Ah mais je pensais que c'était mes alliés qui venaient m'aider. Mais pas du tout en fait. Ok attends. Ah si si si, y'a mon allié juste là. Ok nice, un mort. Oh là c'est compliqué hein. C'est compliqué que ce de la compétitude. Ça c'est mon bull mon gars. C'est pas vrai. Bah lui il est fort. Attends. Oh là c'est bon, on a réussi à le tuer enfin. Ouh. Par contre il est knock. On va quand même le tuer parce que j'ai envie d'avoir son stuff. Parce qu'on a plus beaucoup de vie. On va se remettre bien les amis, c'est ça la difficulté en fait. En fait cette arme elle est bien mais ça aurait été mieux avec d'autres armes. Genre un fusil à pompe, genre un fusil à pompe comme ça légendaire. Pourquoi je peux pas le récupérer les amis? Mais non c'est le challenge. Mais vous inquiétez pas, je vais réussir à faire le top 1 malgré cela. Malgré les interdictions que je me suis donné. Oh toi mon gars, toi j'ai testeur pour savoir où est la dernière personne à éliminer les amis. Cette arme en fait elle nous permet de se déplacer plus vite, regardez. J'ai juste à tirer et ça me permet d'avoir des sauts de folichage. Et je parle pas de nichon les amis. Et regardez ça, attends on va tester si on a des dégâts de chute avec cette arme justement. C'est ce qui, c'est quelque chose qui m'intéresse. Est-ce que c'est possible de faire des skybash de folichonnage, folichon et je parle pas de nichon. Attention là normalement je meurs de chute hein. Là normalement je meurs de chute, je tire. Oh, on a pas de dégâts de chute, c'est trop cheaté. Oh, ça c'est des choses plutôt appréciables les amis, j'apprécie fortement le geste. Merci Fortnite d'avoir ajouté ce genre d'armes dans le jeu, j'adore. Là au total maintenant et du coup il y a 7 armes exotiques dans le jeu. Est-ce que ça vous intéresserait que je fasse une vidéo où j'achète les 7 armes exotiques dans la même partie? Ça risque d'être compliqué, mais c'est plutôt envisageable. Il y a des ennemis juste là qu'on va tuer. Hop, oh. Quand les balles elles passent c'est dingue hein. Ok, voilà, 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 quand ça passe, c'est une dinguerie phénoménale de sexe, les amis. Je n'ai jamais vu une arme aussi cheatée que ça. Le mec qui buldait et tout, il a rien pu faire. Il a rien pu faire parce que je le saute, j'ai fait des sauts de lapin, de folichonnage, folichon, et je parle pas de nichon, les amis, c'est une dinguerie phénoménale de sexe. Et ce n'est pas fini parce que je suis sûr qu'on va encore croiser un maximum de personnes dans cette game et on va les ridiculiser, les amis. Ils peuvent avoir les pompes, toutes les armes qu'ils veulent. Moi, j'ai le pistolet Akimbo, les amis. Akimbo, ça veut dire, hop, du pistolet dans chaque main. Regarde, à cette distance, 70 dégâts, mais c'est une dinguerie phénoménale. Désolé si je le dis un peu trop, mais c'est juste que c'est incroyable. Cette arme est trop cheatée. Et voilà, vous savez comment l'obtenir, vous savez où l'obtenir, vous savez comment l'obtenir avec de l'or, etc, etc. Les amis, profitez-en avant que ça soit patch. Parce que une arme comme ça, les amis, une arme comme ça, c'est beaucoup trop cheaté. Ils vont faire une mise à jour, c'est impossible. Je ne te crois pas si là tu me dis qu'ils vont jamais faire de mise à jour avec cette arme, gros. Elle est vraiment trop cheatée. Regarde juste là, hop. Regarde derrière toi mon gars, regarde derrière toi, hop là. Il a pas regardé derrière lui, c'est bien dommage. Allez, servez-vous, il y a des armes gratuites juste ici. Oh là là, on est beaucoup trop bien les amis. Mais c'est un plaisir fou, c'est un plaisir fou. Oh par contre. Ok en fait, le pouvoir s'enlève jusqu'au moment où tu touches le sol. Lexa, s'il te plaît, veux-tu bien me donner la position d'un adversaire à éliminer? D'accord, merci, c'est exactement ce que j'avais besoin les amis, on a un maximum de construction les amis, vous l'aurez compris. Moi quand j'ai beaucoup de construction, qu'est-ce que je fais? Je traque des ennemis. Je veux, attends, on a 11 kills, il y a moyen de taper la 20 kills, c'est mon objectif de cette game. Tapons les 20 kills les amis. Oh là là, le mec se déplace en plus, c'est vraiment pas bon pour la santé ça. Bien qu'en fait la 20 kills va être assez complexe à faire parce que il ne reste plus que... combien? 13 ennemis. 13 ennemis, et sur ces 13 ennemis il faut que je tue 9 personnes. Oh là 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 là, en fait je ne pense pas que ça va être envisageable la 20 kills les amis. En fait il faut que je tue tout le monde là, il faut que je tue tout le monde. Il y a encore les mecs là-bas, ça a l'air de se combattre violemment là-bas, ils ne sont même pas dans la zone, ils jouent avec le feu. Eh oui, lancer un feu dans un désert, ce n'est pas bon pour la santé. Regarde, qu'est-ce qu'il fallait? Attends. Je les rush, hein, je les rush, c'est vraiment pas une bonne idée parce que je suis tout seul tout simplement. Ils ont l'air d'être complètement full. Peut-être que c'est ici que je vais mourir les amis. Mais je n'espère pas bien évidemment. Ok, lui il bouge pas derrière. Hop, ça fait déjà un mort. Une personne est décédée, ça fait toujours plaisir. Le problème c'est rechargement, le rechargement est plutôt long. Effectivement le rechargement est plutôt long. Oh mais non, mais t'as une autre team qui me tire dessus. Ils sont vraiment pas sympas. Oh c'est drôle, ça pourrait être drôle, attends on va tester. On va tester, on va construire en haut, comme ça. Ils vont casser mes constructions, ils vont penser, ouais, regardez, je vais le tuer. On va casser ses constructions, comme ça, il va avoir des dégâts de chute. Mais la réponse est non, puisque j'ai l'arme du futur. Et... ah ouais. À longue distance, c'est quand même une autre histoire, cette affaire. Mais bien que je l'ai mis quand même plutôt mal. Allez, on va mettre un pad, comme ça, et on va le rusher de la sorte. Voilà, comme ça, on perd pas notre temps. Je viens... wesh! Par derrière, ça c'est vraiment parce que j'apprécie fortement dans ce jeu qu'on appelle Fortnite entre nous. Hop, toi, tu vas pas faire le malin, tu vas pas t'en aller, s'il te plaît, quand même. Hop, lui,
Ce n'est vraiment pas bon puisqu'il a un bateau explosif. Ok, ça c'est vraiment pas bon. Ok, heureusement, j'ai rechargé. Heureusement, on a des pads histoire de se mettre dans la zone. Je suis coincé, ce n'est pas bon pour la santé. Ok, faut vraiment que je les tue ici hein. Parce qu'il y a une autre team sur ma gauche. Ça, c'est vraiment pas ce que j'apprécie fortement dans ce jeu. Donc, on va essayer de faire. Regarde. Oulolololo. Faut vraiment que je me sépare de ces deux teams. J'aimerais bien tuer tout le monde, mais ça va être difficile, les amis. Ok, regarde. Hop là. Waouh. Ah ouais, mais ça va être difficile. Hein. Ça, une 3 versus 1. Heureusement que j'ai un minimum de construction, les amis, parce que sans construction, ça aurait été lamentablement difficile. Heureusement, il y a mon allié qui est venu me sauver. Toi, t'es crack. Tu meurs. Hop là. Ça dégage, mon gars. Il faisait les malins. Voilà. On récolte ce que l'on sème, les amis. Il ne fallait pas chercher le caca avec Jean-Fils. Oh, la petite banane, là. La petite banane, tu veux décéder? Hop là, ça dégage. Oh, c'est violent. Mais il y a les trois dernières personnes qui sont juste là, les amis. Va-t-on faire le top 1 dès cette première game avec cette nouvelle arme? Oula, qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que suis-je en train de faire? Le petit robot. Robot. Hop là, robot, tu dégages, merci. Il ne reste plus qu'une dernière personne, les amis. Et par contre, j'espère qu'ils vont pas me le voler. Les amis, j'espère que vous aurez passé bien sûr un très très bon moment en ma compagnie. Vous savez bien que c'est tout le but. Cette arme, le flingue anti-gravité, c'est complètement une dinguerie. Je vous conseille fortement de l'acheter si vous avez l'or adéquat à la situation, les amis. C'est une dinguerie phénoménale. Je sais pas combien je l'aurais dit dans cette vidéo. Au final, on a fait 15 kills. Malheureusement, c'est pas la 20 kills que je voulais. Hop là, ça, on tue. Il y a l'ennemi juste là. Il est juste là, le coquin, il est juste là. On va partir le tuer. Et ça sera tout simplement la fin de la vidéo. On le one-shot. Je clique juste ici pour voir une autre vidéo juste là si tu n'es pas encore abonné. Et pourquoi pas, les amis, on se dit la prochaine. Tchuss.